Les obligations de la conférence au sommet du G5 Sahel finies, trois chefs d'État se sont joints au président Ibrahim Boubacar Keïta pour l'inauguration des locaux de la nouvelle chancellerie du Mali à Ouagadougou. C'est à l'unisson que les quatre personnalités ont fait à pied les 300 mètres qui séparent le centre international de conférence de Ouagadougou de l'ambassade. Une marque de solidarité à la dimension des bonnes relations qu'entretiennent les pays du G5 Sahel. Nous avons signifié devant le monde entier, à savoir que notre regroupement, notre organisation du G5 Sahel n'est pas une organisation de plus, une de plus, de façade, mais qu'elle préfigure bien ce que nous souhaitons tous que soit notre continent. Une terre de fraternité, de convivialité, d'amour. Et cela, par la grâce de Allah, le Tout-Puissant, vous avez permis aujourd'hui que nous le prouvions au monde, en m'accompagnant ici, pour que nous inaugurions ensemble la nouvelle ambassade du Mali. Pourquoi je dis que je tiens à ce que la plaque porte désormais la mention que l'ambassade du Mali, cette nouvelle ambassade au Burkina, au Faso, a été inaugurée, et c'est la vérité historique, par le président Mohamed Ould Abdelaziz de Mauritanie, Mahamadou Issoufou du Niger, Roch Marc-Christian Kabore. J'ose même y ajouter mon frère qui a dû nous quitter par rapport à des contingences nationales dirimantes, le président Idriss Déby Itno. Donc, que tout le G5 Sahel soit là, figure sur cette plaque-là. Et en dernier seulement, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ça. Donc, chers frères, merci pour ce bel esprit que nous avons affiché ici aujourd'hui devant le monde entier. Et Inch'Allah, le Sahel réussira à redevenir cette zone de paix. De paix, de civilisation brillante qu'il a été tout au long des siècles. De passage, de brassage, de culture, d'humanisme magnifié par les grands esprits. C'est là où nous sommes aujourd'hui en devoir de le passer ce flambeau. Comme Issoufou a passé le flambeau ce matin à Roch Marc-Christian Kabore. Qu'Allah nous accompagne. Merci. Bâti sur une aire de 10 074 m², l'infrastructure comprend 35 pièces, dont 22 bureaux, 2 salles de réunion, une salle de fête de plus de 300 places, 2 restaurants, 7 duplex, dont 6 pour le personnel diplomatique et 1 pour des hôtes de marque. C'est en 2004 que la parcelle a été attribuée au Mali dans le cadre de la réciprocité. La pose de la première pierre effectuée en 2012 et les travaux ont effectivement débuté en octobre 2015.